Marianne Stars. Good vibe. Life. Beauté. Mode. C'est parti. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui, cette vidéo parle de la veille de la rentrée ou bien les choses à faire avant la rentrée scolaire. On sait tous que la rentrée est proche, alors il faut s'organiser, il faut plein de choses. Voilà, et bon courage à tous les élèves primaires, collège, lycée, après lycée, et à moi aussi bien sûr. Et c'est parti, on commence. La première chose à faire, c'est de ranger et de bien nettoyer son bureau et sa chambre. Alors, on y va. J'ai rangé mon bureau et maintenant on va passer à la deuxième chose. Pour la deuxième chose, c'est de écrire des buts dans une feuille et la coller au mur devant son bureau et tous les jours cocher la phrase ou bien le but qu'on a déjà fait. Et vous allez voir comment je fais, comment je procédure. Allez, c'est c'était ma liste de buts à faire pendant cette année scolaire 2020-2021. Maintenant, on va passer à la troisième chose. La troisième chose, c'est de faire une nouvelle playlist Spotify. Alors là, Spotify, c'est mon application préférée pour les chansons. Et j'ai une playlist de malades. Si vous voulez la voir, vous me le dites dans les commentaires pour que je fasse une vidéo sur ça. Allez, on passe à la quatrième chose. Quatrième chose est d'apprendre à faire de nouvelles coiffures pour ses cheveux. Pour moi, je n'ai pas encore appris aucune coiffure et alors aucune. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo de coiffure, vous me le dites dans les commentaires prochainement. Bien maintenant. Et maintenant, on va passer à la cinquième chose. La cinquième chose, c'est laver son cartable si c'est de l'an dernier. Ou bien si c'est pour si vous avez acheté un nouveau cartable, c'est pas la peine, il doit être nouveau. Si c'est un ancien cartable, alors lavez-le. Pour moi, je ne vais pas le laver maintenant, car moi, je lave mes cartables à la fin de chaque année scolaire, mais pas au début. Alors, je ne vais pas le faire, car il est déjà propre. Et maintenant, on va passer à la sixième chose. Sixième chose, faire son sac de rentrée. Alors moi, je n'ai pas encore acheté les fournitures scolaires, alors c'est pas maintenant que je vais le faire. Et si vous voulez voir mes fournitures scolaires, vous me le dites aussi dans les commentaires. Mais c'est sûr
que je vais faire cette vidéo de fourniture scolaire. Mais si vous ne le demandez pas, alors on passe à la septième chose. Préparer sa tenue à l'avance. Alors moi, j'ai décidé ce temps de préparer ma tenue de toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et comme ça, vous serez tranquille pendant toute la semaine et vous n'allez pas passer tout votre temps devant le placard. Alors ça, c'est une bonne chose. Allez, on passe. Une chose et la dernière chose, il vous faudra prendre une très 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 bonne douche, faire un grand soin de son visage, car pendant cet été, on sait tous qu'on s'est très 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 bien bronzé. Alors c'est très très nécessaire, et pour ceux qui ne sont pas bronzés, c'est pas grave, vous faites ce soir, même si vous n'êtes pas trop trop bronzé, mais c'est nécessaire. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, s'abonner, liker, j'ai déjà dit liker, mais bon, cliquez sur la cloche de notification pour avoir plus d'informations sur ma chaîne. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Vous n'avez rien à faire. Ah, et avant, n'hésitez pas à aller s'abonner à mon compte Instagram qui va s'afficher juste ici. Et ça y est. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you.